Hey, bonjour à tous. Mon nom est Mario Camiran. Comme certains me connaissent, je suis représentant au niveau de l'ANCÉ, l'Association nationale des camionneurs artisans. Je suis responsable du regroupement des transporteurs forestiers. Alors, l'objectif de la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est pour tenter de vous sensibiliser, les propriétaires de des camions comme celui-là. Vous savez très bien de quoi je parle. Les dernières années n'ont pas été nécessairement faciles. Et l'idée est venue à l'ANCÉ de repartir le regroupement des transporteurs forestiers au Québec. Vous savez, l'ANCÉ existe depuis 50 ans et la preuve est faite que dans un regroupement, on vient à bout d'obtenir des choses. On le voit au niveau du RAC. Les dernières années ont été quand même des bonnes années. Les gens ont réussi à négocier. Pourquoi? Parce qu'ils sont en groupe, ils se sont réunis et ont fait un organisme à but non lucratif qui est l'ANCÉ, qui est là depuis 50 ans. Et ça donne ses résultats. Ça l'ouvre aussi les portes nécessaires pour être capable de discuter avec les ministres, d'être capable de faire le tour des questions qui peuvent être litigieuses. Mon objectif est vraiment de vous rencontrer pour être capable d'arriver à un moment donné à avoir un groupe. Alors, je vous dirais que ce qui est important au départ, c'est d'être ensemble, de se regrouper, pour se donner une force face aux différents ministères, une force face à des négociations qui pourraient être mises en place. On travaille fort à l'ANCÉ au niveau de vous aider, vous supporter. Maintenant, c'est à votre tour, c'est de votre côté. Vous devez vous impliquer. Vous impliquer en devenant membre, membre de l'ANCÉ au niveau du regroupement du transporteur forestier, oui, ça apporte un paquet d'avantages. Des avantages d'achat, vous savez, vous en avez sûrement entendu parler, les pneus Bridgestone, les pneus Yokohama, les avantages au niveau des achats des huiles et ainsi de suite, des camions Kenworth. Il y a plein d'avantages. Écoutez, on parle d'une contribution de 1100 $ par année, c'est 100 $ par mois. On vous offre même la possibilité de le payer mensuellement pour vous aider à adhérer. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de se tenir. Il faut arrêter de se regarder le nombril puis de se dire ou se demander qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous autres. Je pense qu'on doit se regrouper, travailler ensemble pour arriver à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Écoutez, le mandat est clair. On est là pour vous aider. On est là pour travailler avec vous autres. Mais à la base, c'est vous autres qui décident si ce regroupement-là, le regroupement des transporteurs forestiers au Québec, va avoir du succès. Puis le succès va passer par le regroupement de tous ces camionneurs-là. Vous êtes 2500 au Québec. Pouvez-vous imaginer la force que ça peut donner, 2500 personnes regroupées? C'est inimaginable. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Regroupons-nous, devenons membres du regroupement des transporteurs forestiers au Québec. Puis c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler ensemble et avoir une vraie force politique pour être capable d'avancer. Pour être capable de travailler, avoir un meilleur avenir puis créer une relève dans notre industrie. Messieurs, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. Vous allez avoir mes coordonnées sur cette petite vidéo-là. Vous pouvez me joindre en tout temps, moi ou Carole Girard, qui est le responsable de l'Est du Québec. Entre-temps, je vous souhaite une bonne période des fêtes et j'espère que mon téléphone va sonner, que vous allez adhérer au groupe, qu'on puisse, à un moment donné, avoir une force pour travailler ensemble. Merci. Bon temps des fêtes.